Bien le bonjour, on se retrouve sur Vampire pour l'épisode 29 de ce let's play, je crois. J'oublie toujours à chaque fois, je suis autant paumée. On est tout au sud là, voilà, pour essayer de faire une de nos quêtes secondaires. Et puis je voulais essayer de profiter d'explorer un peu ce qui pourrait se passer, mais je suis sûre que les portes seront fermées du coup. Bon, on peut essayer de les défoncer. Je peux te bouffer de pilot. Non, dommage. J'y ai cru. J'aurais essayé. Aïe. Vous êtes combien? Ça se justifie. Oui. Purée, j'entends des gosses qui gueulent comme des bœufs dehors. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Du coup, j'espère que vous les entendrez pas non plus. Enfin, que vous ne les entendrez pas. Si c'est le cas, je suis désolée. Pour le boucan. Pas me... Non? Bon, bah c'est nul. Ouais! T'es verrouillé là-bas, ouais. Ouais. Non! des petites traces de sang partout, on adore. J'aime pas ça. Pourquoi y'a rien à Skaven? Je suis... Oh non... Tu t'es suicidé? Hein? Je sais pas... Ah! Est-ce que c'est là où... Oui! C'est là où on a dormi! Quand on s'est réveillé là, qu'on a bouffé notre sœur. Qu'on a pissé le sang durant la nuit là. Transpiré du sang. Oh! Ah mais c'est pire cool de retrouver ça du coup. Ça c'est quoi? C'est moi qui ai fait ces traces en vrai? Je sais plus. Hello! Chou? Ah. C'est nul. Je suis déjà venue là. Bon. Bon bah bon, en gros ça nous a servi à rien, mais... Voilà. On va dire que Lore Wizon... Pourquoi pas? Pas des petites choses à... Ah, voilà. Je me disais aussi. Quand même. Est-ce que je peux ouvrir ça? Oui. Je vais où? C'est là où je dois aller, parfait. Mais, je vais d'abord juste voir ici. Ah oui, je peux passer par là. Mais je pense que je peux passer par là aussi. Par la rive. Pardon, je suis vulgaire. Là, il me saoule ces machins là. C'est comme dans Witcher 1. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est les créatures qui m'ont le plus saoulé. C'est ces noyeurs qui t'agressent tous les 2 mètres. Mais les gars, en plus je vous touchote. Pourquoi vous continuez à venir m'emmerder? Sérieux. Oh, il me saoulait. Mais il me saoulait. Je les détestais. Du coup, au final, je crois que... Je sais pas si c'était dans... Du coup, justement dans le 1, mais il me semble qu'à un moment, on pouvait... Un Econ Renega, ok. Il me semble qu'on pouvait... avoir une relique qui les éloignait ou un truc comme ça. Comment ça, stupid newborn? Je vais t'en mettre, moi, du newborn. Tiens. Te défonce, moi. C'est un malade. Ok, j'ai plus d'endurance. Ça me casse. Oh, c'était pas cool ça, mec. Oh, c'est stylé. Vous avez vu ce qu'il a fait? Un peu en mode... escrime. Genre la main derrière le dos, puis la lame en avant. Relevé. Stylé. Stylé. Clé de la fonderie, chouette. Je sais tellement pas où je vais. Sûrement pas là que je dois aller, en plus. Mais je peux sortir ou je suis coincée? Vous êtes coincée, très bien. C'était nul. J'adore quoi, regardez.
Cette vapeur avec le feu et la lumière, c'est tellement bien fait. J'adore, c'est trop cool. Trop trop cool. Je peux même pas sortir, je dois refaire tout le tour. Oh! Ah non, j'ai cru que ça brillait, pardon. Tant pis. Ouais, ben salut! Juste parce que je suis bien habillée, tu assumes que je suis fort. C'est nul ce que tu fais. Aïe. Donne-moi... T'avais pas... Purée, il a pas de cadeau. Salaud. J'ai un peu peur là. Sauf que je vais me faire agresser. Non? This place. Ah oui. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Merci. Purée, des cadavres partout. En plus de la garde, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens dans le coin qui sont un peu violents. C'est pas franchement pour me rassurer. C'est là que je dois aller, hein. Ouais. Dans ce grand charnier là, c'est dégueu. Je peux... Non. Bon. This is my watch. Ah! Damn grave robbers. Avertissement, salut les gars. À propos de notre dernier message sur votre mission de dépouillage de cadavres à Southwark, je ne le répéterai pas. Occupez-vous-en tout de suite. Estimez-vous heureux que je rapporte pas vos chouineries à Edwina. Elle pourrait bien venir vous couper les bijoux de famille elle-même. On m'a également signalé vos plaisanteries à propos de ce que j'ai vu sur le quai. Alors comme ça, maintenant, je suis qu'un taré qui a peur de son ombre? Ou bien un fou qui tremble comme une vieille femme devant des histoires de fantômes? Bien, ça me fait plaisir de vous amuser autant. Vous pouvez être sûr que je viendrai pisser sur vos cadavres encore fumants après que la saloperie de monstre que j'ai vue ait fini de vous sucer la cervelle. Profitez bien des nuits prochaines, les gars. J'ai entendu dire qu'elles seraient pluvieuses et embrumées. Bouf, dit. Choisir, que dire à Edwina? L'avertir de la mort des fossoyeurs ou cacher la vérité? Ah. Oh, j'ai fait quoi? Oh non. Voilà, gaspiller une potion, bien joué. Bravo. Alors, est-ce que je peux voir les détails? Edwina Cox, marchande et aspirante reine du crime dans les docks de l'East End, m'a éhontément demandé de profiter de mon statut de médecin pour gagner accès aux zones interdites de Southwark. Elle souhaite que je réprimande des fossoyeurs qui n'ont pas envoyé leur part hebdomadaire de breloques et d'argent volé sur des cadavres. Je me demande si je donne... Ok... Attendez. Je vais juste relire la lettre. Savoir si l'autre il les menaçait vraiment ou pas. Non. Ah ouais, non, c'est bon. C'est pas lui qui leur a dit oh là là, je viens vous buter moi-même. Non, alors c'est bon. Oh, mais c'est long à repasser de l'autre côté en plus. J'ai l'impression que j'arrête pas de me plaindre, je suis désolée. Aïe. Oh oui. Voilà. I can't believe I'm doing this. Est-ce que toi je t'avais découvert? Ah oui, c'est toujours le même. Mince. Ah, quand c'était celui-là. Aïe. Bien, comment je fais maintenant? T'es où la porte? Je pense qu'on va du coup rendre ça à Edwina. Et puis après, on va aller parler à Sean Hampton, voir si. On va voir comment il va en fait. Apparemment, vu la gueule du quartier, il doit aller plutôt bien. J'ai bien envie de lui parler quand même moi-même. Parce qu'on est quand même forcé à sucer notre sang, quoi. C'est pas cool. Mais vu le résultat, bah, c'était bien. Mais j'ai eu vraiment peur que ça ne soit pas bien. Oups.
Oh. Pourquoi? À part des rats? Tu as peur des rats, Jonathan? Je crois que c'est ça. Aïe. Ah non, c'est bon. Oh là là, par contre, j'ai eu peur de lui, c'est vrai, je l'avoue. Tu es où? Edwina! Salut, meuf. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Oh, purée, elle a un de ses accents, mais c'est vrai. Have you got any news about Sean Hampton's shelter? As long as he keeps on helping the poor, I'll keep my boys at bay, even if he pisses them off. Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys, that's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something, then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The wet boot boys thank you for your help. Bon, merci. Ah ouais, tu veux quoi, toi? As long as you have money. Il me fallait des trucs comme ça. Trucs de qualité, là. Vas-y, je t'en prends deux. Bim. Toi aussi, je crois. T'en veux combien? 3. Allez, bim. Arrivé. Je crois pas que j'en ai besoin de ça. Bon, merci madame. Peut-être qu'on pourra améliorer nos armes comme ça. Hello. Paraît que t'as peur. Voilà. I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Est-ce que ça pourrait être la vieille... La vieille Brigitte, là, où je sais pas son nom. Are your friends mocking? Qui est de l'escale. Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. Goodbye. Goodbye, Mr. Digby. Allons voir. Chon. Je suis au bon endroit. Alors pas du tout. Très bien. On peut retourner en arrière. Quelle espèce de nul. Je devrais me tatouer une map sur l'avant-bras comme ça. Quand je joue, je saurai où je vais. Aïe aïe aïe. For now, everything seems under control, more or less. Don't forget to keep an eye out. The wet boot boys. Lost boy. Est-ce qu'il y a des cons de loup-garou là ou c'est bon? Oh mais non. Oh. Ouais.
Alors, non. J'ai pas vraiment envie de le voir, ce monsieur. Oh non, mais sérieux, il y en a partout. Non. Laissez-moi. Il est où, Sean, là? Oh, viens me sauver. Aïe. C'est ici? Purée, je suis perdue. C'est là? Oui. Oh, purée. T'es où? Bon, alors. Comment tu vas, chouchou? Welcome back to my humble shelter, Dr. Reed. Are you here to subdue me again? No. Oh, putain. I just came by to see how you are. I feel all right. Why do you ask? Are you still feeding on corpses? No. It's almost as though the blood you forced me to drink has provided me eternal satisfaction. Stylé. How is the sanitary situation in this part of town? I think it's acceptable. Fewer cases of sickness recently. I thank the Lord for his mercy. How are things in your shelter? Between the mortals and the immortals, I mean. Even if we're all children of God, I've always maintained a strict frontier between the two communities. What do you fear? A few years ago, a Skaal decided to pay a nocturnal visit to my sleeping customers. He got caught licking their necks in the dark. Since then, I have added a lock to the door. What if food became scarce? Wouldn't the immortals in your flock be tempted to feed on the living? Wouldn't you? The Skaals can feed on the dead, Doctor. And until Judgment Day, mortals will continue dying. Have you seen Harriet Jones since taking her to Old Bridget? Ah, Bridget, no. Pas Brigitte. She is with the sewer Skaals now. I don't go downstairs. What happened at the Pembroke? I guess we recognized each other. As Skaals, I mean. She had but one thought. To punish. To get revenge upon everything and everyone. I realized I had to bring her here quickly. But why did she fake her own death? There was so much blood in her room. She attacked patients, too. I just lost her for a minute that night. When I found her, she had caused mayhem across the hospital. I slapped some sense into her, and we fled before getting caught. What happened then? We ran here through narrow streets and backyards. She kept saying that someone was talking to her in the dark. Offering to avenge her. But I saw nobody. J'aime trop son accent, allez, je How did you pas. Meet old Bridget? When younger, I used to patrol the streets at night, searching for lost souls. This is how I met her. It took me 2 months just to get her name. Now we support each other. Had you already visited their hideout in the sewers? Just once, and very briefly. Most of them are very discreet. And they see me as an outsider, even if I protect them. You really are a saint, Sean. Oh, no, sir, I'm not. But I know evil, and I believe goodwill and tenacity can make this world a better place. Would you let me listen to your chest, Sean? No, Dr. Reed. You already forced me to drink your blood, and I thank you for that, for I feel better now. But it was quite an unpleasant experience. It would help me greatly if you would allow me to give you a physical examination. I said no. I'm no subject of medical examination, and I intend only to obey and to kneel before God. Farewell, Sean. Take good care of your flock, and of yourself. Ouais. Bien. Je pense que maintenant on a le droit d'aller au lit. Ouais. Je pense qu'on va dormir, mais... Oh non. Tu m'as pas vu. Si, dommage. Oh, il m'a feinté, quoi. Oh mais non, mais sérieux. Oh. J'avais pas besoin d'autres ennemis en fait. Hein. Moi ça m'allait très bien. Oh voilà. J'avais pas vu qu'il était en train de me faire autant mal. Iiii. Bon. Bah voilà.
Quelle tristesse. Je peux rentrer chez moi, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais juste rentrer chez moi. Vous pouvez arrêter de tous me taper, j'en ai marre. Oh, j'ai eu peur, purée. Oh, mais non, mais je me suis perdue en plus. Je vais où? Maman? Ah bah oui, bah venez. Tant qu'à faire. Viens aussi, toi. I have this thirst for blood. C'est horrible comme Queen. Allez. On a pas besoin d'aller à l'hôpital, hein. Genre on peut aller là. Ouais. La meuf qui est trop pas convaincue par elle-même. Ah toi t'es complètement caisse. Mince, c'est trop de gens. Alors, allons dormir, faire nos points. Ce qui me semble qu'on pourrait réinitialiser, non? Voilà. Alors, j'ai bien envie de faire ça. Hop. Je suis niveau 1, je suis un tout bibou. Alors, autophagie, oui, ça, clairement. Et, bon, voilà. Déjà, je vais prendre ça. Maintenant, les griffes, ça, c'est clair. Ça, j'aimais bien. Ça, franchement, non. Jauge de santé, oui, ça, c'était utile. Il me semble que j'en avais en tout cas deux. Même chose, ah ouais, l'endurance, ça c'est clairement bien. Hop. Ça c'était quoi? Augmente la capacité sanguine. Morsure au combat finalement. Est-ce que j'utilisais vraiment ça? Il me semble pas. Pas de ouf. On va déjà faire ça. Morsure. Augmente la quantité de dégâts que vous infligez lorsque vous utilisez morsure au combat. Ah, mais ça pourrait être bien quand même. Hein. Je sais pas combien de dégâts on fait. Ah non, voilà. Ça, je peux en mettre plus? Non, je suis trop petit. Là, c'est bon. Donc. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voulait? Vous échangez le gain de sang instantané pour une régénération plus importante? Non. Vous utilisez plus de sang pour vous soigner instantanément et obtenez une augmentation supplémentaire de votre régénération de santé. Ça coûte moins cher, j'ai 200 de soins. Et là, ah ouais, non mais là j'ai 500 de soins. Ouais. Ah. C'est sur le temps. Ouais mais 500 contre 200 seulement. Ouais, je pense qu'on va prendre ça après. Ça coûte cher, 2000. Alors toi maintenant, hop. Et puis ça, vous avez appris à utiliser la force de vos griffes et infliger désormais un effet d'étourdissement à votre proie. Quoi, 720 de dégâts, elle a 450. Ah, mais là, si je gagne du sang à chaque coup... Et c'est toutes les 0,5 secondes. Ah. Ouais, mais non, mais si ça me redonne que 6200. Je pense que étourdir, ça peut être stylé. Comme ça, je l'étourdis et je le croque. Et du coup, ça serait bien en combo avec, justement, si on augmente quelque chose là. Genre les morsures. Ah, ultime, oui.
Elle est trop stylée celle-là, franchement je l'aime bien. Elle est vraiment cool. Ah, j'ai toujours pas assez pour autophagie. Allez, je peux en mettre un petit là-dedans, je pense. Oup. Parce que ouais, faudrait que j'apprenne à comboter aussi, hein. Ça serait bien. Ce qui n'est pas encore mon cas. Quel niveau? Oui, je suis assez grand maintenant. Hihi. Je pense qu'on va partir là-dessus. Régénération plus importante. Ah, mais là, il coûte moins cher. 100 de soins. Mais là, c'est pas mis. Pff. On va prendre ça. Oup. Ça, c'est à partir de quel niveau? 14, d'accord. Et là, ouais. Hop. 14, on a dit. Donc, toi. Et tu coûtes combien? 2000. Allez. Hop. Maintenant. Endurance, j'aimerais bien augmenter encore, quand même. Voilà. Et la vie aussi, comme je morfle. Ok. Ça, je suis niveau 17. Très bien. Là, j'en suis où? Ça se débloque à 18. Et là. 18. Et là. 20. Qu'est-ce que j'augmente encore? Parce qu'endurance, ben, clairement, c'est cool. Hein, si je veux faire des petits bobos. Capacité sanguine, ça peut être bien aussi. Quoique jamais, jamais je suis arrivée à court de sang quand je commence un combat avec toute ma barre. Ça, ça peut être chouette. Je peux transporter 3 sérums. Comme je suis nulle. Allez. Hop. On va faire ça. Ça, je suis 18. Je vais augmenter ça, je pense. Ah, 2700. Ou 4500. Oh, de toute façon, j'ai plus assez pour ça. Voilà. Donc, c'est vite fait. Si je fais 2700... Il me reste un genre 800 points à dépenser. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais ça, ça serait bien que je puisse comboter, ouais, avec une morsure au combat, hein. Augmente les dégâts, augmente la vie, augmente le soin absorbé. Ouais, allez, on part là-dessus. Hein. Tic. Ah, je sais pas quoi faire, les gars. C'est dur. Ça c'est quoi, 600? Ouais, c'est cool. Franchement, si j'utilise ça avec ça, le stun, il faut clairement qu'ensuite je prenne un truc en rapport avec les morsures. Mais du coup, capacité sanguine, j'ai pas tant besoin que ça, je pense. Ah, je sais pas. Je pense... Ah! Je suis niveau 18 de nouveau comme avant. C'est-à-dire que j'aurais pas vraiment monté de niveau. Ah, c'est dur. Comme j'ai pas encore essayé de jouer comme ça. Bon, endurance, je suis pas mal là ou bien. Ça coûte combien après? 1000. Ça fait cher quand même. Mais ça serait stylé, ça veut dire que genre je les enchaîne comme un connard. Ah, je sais pas, c'est dur. Oh là là. Mais ça, j'utilise beaucoup, hein. Mais si je croque et que ça me redonne de la vie, peut-être que j'utiliserai moins.
Je sais pas, allez. Ouais, de toute façon, je peux plus changer d'avis. Parfait, on va faire ça. Hop. Change de chanter. C'est forcé. Capacité sanguine. Qu'est-ce que je fais? Là, j'en ai déjà pas mal. Ah, ça doit être chiant pour vous, je suis désolée, mais je suis en plein, hein. Je sais vraiment pas quoi faire de ma vie, quoi. j'ai envie de garder ces points, mais en même temps, c'est débile, faut que je monte, parce que autrement, je suis faible, quoi. Plus 400%, ça peut être chouette. Qui c'est qui coûte pas cher encore? Je crois que je suis tous au niveau... Bon, voilà, toi t'es pas cher. Comme ça, je suis 19. Waouh. Et j'ai envie de dire qu'on garde l'expérience qui nous reste pour après justement jauger si on a besoin de plus d'un autre truc. Je pense que je vais partir comme ça. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts? Non. Ça a l'air d'aller partout, ou bien? Oh non. Hein? Ouais, mais non. Oh là là, t'as quoi? Mal de tête, 1, 2, 3. Qu'est-ce que t'as chez Oshun là? Un rhume. Ouais, super. Mais vous, par contre, vous allez bien. Donc 3 mal de tête et un rhume. Allez. C'est parti. Vous êtes chiant à tomber tout le temps malade, les mecs. Alors, rhume, mal de tête, 1, 2, 3, voilà. Bien, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Aïe, voilà, je mets des points partout maintenant. J'ai toujours ce problème de manette, je sais pas pourquoi elle part toujours d'un côté. Prochaine fois, on va aller au Pembroke soigner des gens. On va essayer vite fait de retrouver Xiao Shun, là, quelque part par là, la soigner. Et puis après, on va aller voir Lady Ashbury. Voilà. Sur ce... Ouais, désolé, parce qu'à la fin, c'était un peu relou pour vous, j'imagine, mais... Je suis toujours en PLS quand je dois mettre mes points de talent ou de... Comme ça. Alors voilà. Désolé. Mais bref, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis, d'ici là, je vous dis ciao ciao.